Theresa May et Angela Merkel, deux femmes qui sont au cœur des deux sujets brûlants qui agitent le sommet européen formel de Salzbourg, le Brexit et la politique migratoire. Concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, hier soir, Theresa May a pu présenter brièvement son plan. Elle appelle les 27 à plus de flexibilité. Le président français Emmanuel Macron a eu ce commentaire à son arrivée ce matin. Elle nous a réaffirmé les propositions faites aux Chequers et les avancées faites. Vous savez, il y aura des crispations. Il y en a toujours dans les moments difficiles où il faut décider pour l'Union européenne. Mais je crois que nous devons, pour le court, le moyen et le long terme, défendre les intérêts de l'Union européenne. Le temps presse, il y a des propositions pour un autre sommet en octobre et en novembre. L'Irlande veut évidemment éviter le scénario de sortie sans accord. Nous voulons éviter un Brexit sans accord. Nous nous préparons pour cela. Je pense que nous devons redoubler d'efforts au cours des prochaines semaines pour nous assurer que nous aurons un accord. Avant le déjeuner à 27 consacré au Brexit, les dirigeants européens ont débattu tous ensemble ce matin de questions de sécurité comme la coopération policière ou encore la lutte contre les contenus terroristes sur Internet. Cet après-midi, les chefs d'État et de gouvernement doivent aussi faire état de leurs avancées sur la politique migratoire européenne.